te na ba téléspectateurs banso ba Congo Live Télévision ba keiko landa beto na ngonga ya ibozali na diaspora toa sakidila bwa mudibu batukunuke nekuna nga tu wetu bozali ebele bozolanda biso bisika a bozali tulubi matondo mingi boye elamu bisika a bozali mbote na zeno moyo jambo sa depa bisika bozolanda biso na mukolo mwalelo pona manaka yasika le dames et messieurs mbote na zeno. Merci à tous ces téléspectateurs de Congo Live Télévision qui ont encore intérêt de nous suivre ce matin afin de recevoir ces informations depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Décrété Oyoboyo Kakiango que Luanda et Lubaki à partir le 4 août 2024, c'est le fait qu'Obanda Memutuna Oyo Tozomituna Nini bazalendo bazali kokanisa likolo ya makambwana. Bango oyo bazo loba likambolie litali sekirite. Nakati amboka na biso likambolitali makambo ya sekirite. Nakati amboka na biso bango toyoka ki. Kati na bango ba moko bazala ki sanksione. Kati na bango ba moko bazwa ki sanksione na Union Européenne oyo bozo yoka ba sanksione kwe ya ki. Kobima na Occident. Est-ce que bazo considere ba sanction wana? Nini oyo ekosala eke bango ba mi interesse na ba sanction wana? Est-ce que ba sanction wana eza na impact likolo ya ba wazalendo oyo bazalaki sanctionné? Moko ya mituna ezo mituna. Moko ya mituna oyo plusieurs personnes bazo mituna lelo. Na ngambo na bango wazalendo bango balobi nini? Est-ce que bako respecter ces faits? Est-ce que bako talela likambo wana de très près? Lelo bazo sanctionner ba leader na bango notamment Jules Mulumba oyo boyokaki na ba mosusu ba leader oyo bazo pesa le wazalendo courage ya kosala ka bitumba ba sanction e bandiko kwea likolo ya ba jeune wana. Parce que d'après la société civile, les jeunes résistants wazalendo basiba kangi eloko moko eza lokola mire bisika ya batu oyo bazo ya ko agresser République démocratique du Congo. On a voulu les infiltrer, ça n'a pas tenu. Basalaki, bakreaki, bakelaki, ba groupe ya wazalendo oya lukuta mais simba kite. Maintenant aujourd'hui tolingi to comprendre elongo na bino nini oyo bango ba lobby likolo ya ba sanction oyo bazo pesa bango ya mibale likolo ya cesse le fait oyo ba facilitateur bazo loba ekozala. Je vous propose alors bolanda interview oyo to décrocha ki na moko na kati na bango ba chef ba leader wana a expliquer ye moko nini oyo azo considere likolo ya liboso likolo ya ba sanction oyo ba pesa ki bango ya mibale likolo ya ba cesse le fait oyo ba lobby ke esengeli ezala observer botala interview wana et puis on se retrouve juste après interview wana pour te décrypter elongo likambolizo salema mutuboke komona aza moko ya ba chef ya ba zalendo ba commandant na bango oyo bazo diriger ba troupe bolanda et on se retrouve juste après. On ne peut pas être découragé parce que nous sommes en train de défendre notre patrie. En Europe là que vous nous parlez, d'abord c'est un continent vieux. Qu'est-ce qui se produit là-bas? Ils viennent ici pour diviser notre pays, pour balkaniser notre pays afin qu'ils puissent s'accaparer de notre terre, s'accaparer de notre richesse. Qu'est-ce qu'il y a en Europe pour que j'y aille et garder mon argent, ma fortune? Je pense, je n'ai rien à garder en Europe, je dois garder tout chez moi. Et je pense que on est à Goma. Mais à Goma, il y a des COPEC. Dans ces COPEC, je n'ai pas même déposé même $100 pour que peut-être ces $100 puissent être fructifiés. Et même dans des tontines là, qu'on appelle des kirimba, si on le dit en swahili, des likilimba. Je n'en ai pas. Parce que celui qui fait l'équilibre, c'est celui qui est payé peut-être mensuellement. Alors comment vais-je aller garder l'argent que je n'ai pas entre mes mains en Europe et quand je ne parviens pas à le garder à Goma?
là, on devient alors plus voyant qu'avant. On devient plus voyant qu'avant parce que c'est celui qui nous sanctionne, c'est celui qui nous faisons face à lui. Alors, dire qu'il nous a sanctionné, c'est comme si vous prétendiez que l'ennemi puisse parler de vos éloges. Non, il ne peut pas parler de vos éloges. Il va critiquer négativement de tout ce que vous aurez fait. Il ne peut pas sanctionner le Rwanda, d'autant plus que vous avez entendu avec moi que dernièrement, ils ont signé des accords de minerais avec le Rwanda qui n'a pas aucun minerai qui l'exploite. Le Rwanda a exporté les minerais, le coltan, en 2025, quand sous la roulette d'IRCD. Et dès lors, là, ils n'ont rien exporté vers les pays étrangers. Donc, ils ne peuvent pas. Makambo, les lotos oyoka, les jeunes résistants Wazalendo, Bafandi nakati ya territoire ya Masisi, les jeunes résistants Wazalendo, Bafandi nakati ya territoire ya Nyiragongo, ba même jeunes wana, Bafandi nakati ya territoire ya Nyiragongo. Déterminé na ngambo na bango, boyoka ki, toyoka ki bisonyo selongo ke, ba moko na kati na bango lelo bazo sanctionner bango. Ba moko na kati na bango bazo zwa ba sanction. Ba sanction wana pona nini? Boyoki ye moko alobike eloko oyo ezo salema. Ba sanction oyo bazo pesa bango eza moko ya elembo ya kotinda bango. Eza moko ya eloko ya kotinda bango. Ba continue kosala bitumba. Parce que eloko oyo eza o motive bango ezali motema ya ki compatriotes. Motema wana ya compatriotisme nde ezo anime bango kosala bitumba. Bango bakanisi na ngambo na bango parce que il faut savoir que bazana bandako na poto te. Bazana ba mbongo na ba banque te o bakogele yango bakokanga yango. Bango bazo kanisa lelo ke eloko oyo bandele bazo sala eza moko ya eloko to eza moko ya likambo oyo ezo encourager bango kopesa bango force pour que ba continue kosala bitumba dans l'est de la République démocratique du Congo. Eza moko ya likambozo leka na kati ya mboka na biso. Ndenge botiki koyoka ona déclaration na bango bango moko bazo lobake eloko wana biso ezopesa biso nde courage. Ezopesa biso nde courage. Donc soki eza courage te toyebite tokosala nini mais ezopesa biso courage. J'ai reçu cette sanction comme un sali. J'ai été comblé de joie de voir que notre travail fait déjà mal à nos ennemis qui se cachent derrière le Rwanda. Nous allons maintenant réagir les tirs pour bien viser l'ennemi de notre pays. Je n'ai aucun dollar dans une banque, ni à Goma, ni en Europe. Ces sanctions me fortifient. Nous devons être sanctionnés par les populations que nous sécurisons et non par les étrangers. Si cette population a toujours confiance en moi, je ne vois pas pourquoi c'est l'Union européenne qui doit venir me sanctionner, a déclaré Dominique Kamanzi, Moko Yaba Komanda, Oyo Yaba Troupe Yaba Wazalendo. Pour lui, il dit qu'il ne voit pas l'importance Yaba Sanction Yaba Union européenne. Bah, éviter pourquoi est-ce que l'Union européenne est Zolande la Bango? Pour quelle faute, quelle cause oyo basali, pour que babalandela bango. Et puis je viens ici pour éclairer opinion oyo batubazolo parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont appelé pour me demander ça. Est-ce que Gilles Assi Akoufi, comme les gens bazolo bango, ils ont un message oyo bazolo vilipande. Tozolo ba, ils ont l'ukuta, c'est très faux. Aza vivant, c'est seulement oyo batubanguna balingi ko jouer. Na psychologie, ya bana mboka, ya ba kongole oyo bazo fanda na mboka bapaya pour que ba désinstabiliser parce que za moko ya ba mission na bango ko désinstabiliser ba kongole bisika nyoso bazali. Ya lobike ba oyo esengeli ba sanctionner bango eza population. C'est la population qui doit les sanctionner parce que population moins des observer likambo bazo sal. Population au moins des observés, boni likambo ezo continue. Population des omona, lo lengeni ni makambo ezo kende. Et s'il faudra qu'il y ait des sanctions à leur égard, et sengeli population des salayango.
et non la communauté internationale, non les États-Unis d'Amérique, non la MONUSCO, parce que bangonyo soana bazaba étranger sur le sol congolais, bazaba paya na mboka Congo. Est-ce que bakozua makasi likolo ya bana oyo bazaba sika na bango? C'est impossible que obima libanda et que tu sois plus fort que moi na yandako et ko sale maté. Ce sont des choses o eyokamité. Wana ezali na aspect ya kotala lolenge nini bango bazo considérer ba sanction wana. Balobi ba sanction wana pona bango ça n'a pas d'importance. C'est comme un non événement. Il ne considère pas vraiment ba sanction wana. D'ailleurs, c'est une manière ezo pesa bango. C'est une des choses ezo pesa bango force de continuer de se fortifier. Na déclaration na ya lobi eza moko ya likambo o ekotinda biso ko viser très bien l'ennemi qui se cache derrière le Rwanda. Parce que koloba lelo ke le Rwanda nous agresse, le Rwanda vient d'accepter. Non, débat on les a révolu. Ce débat est passé il y a longtemps. Le Rwanda s'est toujours présenté à la place de la rébellion du M23. Ce n'est pas la rébellion du M23 qui nous agresse. Ce n'est même pas la rébellion du M23 n'a rien à faire là-dedans. C'est le Rwanda via les Rwandais, les militaires rwandais qui nous agressent. Parce que ceux qui travaillent au sein de cette rébellion, formée par les Rwanda, constituée par les Rwanda depuis des années, depuis l'AFDEL, les Rwanda fait gaffe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le 2 août, Genocoste et Zolobam, 30 ans et l'équipe Batoubassi Bakoufa, plus il y a 12 millions de Congolais. Il y a au moins des nationales dans toutes les provinces. Batoubazo Lela, Bakanisi Bawei, Bao Bakoufa. Tout ça, c'est le Rwanda. Et puis, Bamosu Bazoango Lokola Silogan. Non! La République démocratique du Congo, accompagnée de tous les Congolais, doit lutter. Pas à Maloba. Les cérémonies, c'est bon. Mais il faut arrêter l'hémorragie. Et pour arrêter l'hémorragie, il ne faut pas seulement trouver que ton soigné plein. Tout le monde a des conséquences à Makambouana. Parce qu'après, je ne coste le lot. Bokoyo, c'est le fait bandit qui on n'a jamais respecté. M23 va larguer, va bomber dans le village. D'autres personnes meurent. Et que le gouvernement vient nous présenter ici les lettres de Koloba Kenom. Ba lettre. Bakokoma Mukanda, Koloba nous condamnons. Nous appelons, nous prenons en témoin. Tout ça, c'est fatigué. Tobenga en témoin, ils n'ont pas réagi. Nous avions appelé, ils ne sont pas venus. Tosala boe, attends Mukanda, mon côté, batika ko répondre yango. Alors cette fois-ci, c'est prendre en charge 12 millions baza et belé ko le kao et salema na Rwanda. C'est bien bon de se rappeler de ces jours, mais c'est bien bon aussi de se protéger. Au lieu à cause de ma mesure, yako bikisa, tozo ba mesure. Oh, il a protégé avant qu'il a fait Ekoma. Comment est-ce que nous sommes en train de lutter aujourd'hui qu'il n'y ait plus de bombes que les rebelles vont jeter pour que les peuples congolais bakoufa lissous. Dernièrement, c'était à Bouérimana. Et qu'aujourd'hui, c'est bien bon. La cérémonie nous est salée. Mais on est d'accord. On se rappelle de ces gens qui ont perdu la vie dans la guerre à l'est du pays. Batou bakoufa, Genocoste en RDC. L'icolo a minéré, l'icolo a biloko na biso, c'est bien bon. On est d'accord avec ça. Mais le gouvernement doit prendre les choses au sérieux et faire la guerre contre les agresseurs. Batu oye bazo agresser biso, batu bazo tinda biso to bungisa. Et li kia ya lobby. Les Congolais aujourd'hui commencent à vivre le jour au jour. Azo ye bake tout le temps bakokote la biso. Et ça ko banga, lorsque quelqu'un souffre trop, c'est ça. Ngamoko na zaki na kaya ba déplacer. Na sala nga micro trottoir toyoka. Bango bakanisi nini pour laisser se le fait. Ba la pitokoti la bino ba element wana. D'ici pe to koyako le même la bino ba element tozo constituer yango pour que to relancer bino yango un element oyo kozala déjà ici esili. Boyoka likanisi ba déplacer de guerre na se le fait. Ba lobi ça fait plus ya 3 ans. Et ke ko koma ba 2 ans passé. Que basan ba kaya ba déplacer
Cessez le feu, Bandela Mounagana, Lelo Bazali, Nakati ba village ebele. Il ne voyait pas l'importance à cesser le feu. Ce sont les déplacés de guerre qui déclarent ça. Ils veulent qu'une chose, que la République démocratique du Congo donne l'ordre, les munitions et donne tout au FRDC et au Wazalendo afin de faire la guerre contre les M23, contre les Rwanda de Paul Kagame. C'est-à-dire, tout le temps qu'on sera en train d'observer les cessez-le-feu, de l'autre côté, on sera en train de choquer les déplacés de guerre. Ils seront vexés parce que nous sommes en train d'observer les cessez-le-feu. Et il faut que nous ayons le si nous voulons gagner cette guerre, et c'est que nous avons des bisognons sur le monde, qu'on ait le na lolenge ya kotambola kokende elongo na likanisi ya likambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso na option ya cesser le feu le wazalendo bango balobi nini bango balobi wana eza pure distraction une chose qui n'a jamais été respectée depuis que banda koyokam et il ne pense pas que c'est cette fois-ci que le Rwanda respectera le cesser le feu na ngambo na bango il resteront aux aguets. Ils resteront vigilants, c'est le terme qu'il a utilisé. Nous resterons vigilants. Et si l'ennemi ose violer le cessez-le-feu, bisoto kofungula moto oyo ekosila jamais et nous n'allons pas écouter conseil à mutu parce que si ba sanctionner biso on s'en fout. Bazo violer, nyoso bazo loba et puis ils s'en foutent de nous et nous on fera tout pour défendre notre patrie. Voilà l'histoire de Wazalendo aujourd'hui. Face à des situations, ba sanction bazo pesa bango na ko observer, c'est le fait oyo ekozala observer. Alors on va finir par ici. Corné Nanga frustré comme plusieurs personnes bazo loba la société civile o tuzaki o loba na bango bazo loba nanga za frustré et que likambo azo sala ekosuke la MAB baloba kana lingala ekoinde la MAB ça finira mal pour lui d'après plusieurs personnes la société civile qui estime aujourd'hui que si le président de la République arrive à un niveau, il y a comme amnistie nanga, et qu'il y a beaucoup d'erreurs monumentales qu'il aura commises dans la vie de la vie. Balobi boye, s'il arrive, que Mukolo Moko ba limbisi nanga, et qu'il y a masumu oyo ba tiena mutu ya président de la République, et kozala lokola yende abumaki batu nyoso oyo bakufaki na mugunga. Yango batu bazoloba, c'est pas moi qui le dit. C'est la population vivant à l'est de la République qui bazo déclaré makambwana. Que nanga mérite la mort comme il a fait à d'autres personnes. Des personnes pini à Bunagana, kidnappées, tiwe à Bunagana. Sous le haut commandement ya Corneille Nanga. Des bombes ont tué les gens à Bouéremana, à Kitianga, partout, à Saki, à Goma. Tout ça parce que Nanga est derrière. Et que Bango Bazo estime qu'on limbisa Nanga, qu'on amnistie Nanga, ça sera craché sur la mémoire de ces gens Oyo Bakoufa. Qu'est-ce que Nanga a zolo balelo? Ye, a zolo banin. Et puis, tu as analysé Elongo, déclaration AFC. L'AFC de Corneille Nanga tient à souligner qu'il n'est pas automatiquement lié par les conclusions des réunions auxquelles il n'a pas été convié. L'AFC M23 constate que les forces de la coalition du gouvernement de Kinshasa ont pris l'habitude d'utiliser les différentes trêves et cessations des hostilités pour se réorganiser et continuer l'épuration ethnique. Leur attaque contre le peuple martyrisé et ses défenseurs que nous sommes et Zamoko ya communiqué Oyo Basalaki. Moko ya communiqué na bango Oyo Basalaki. Nanga zolo ba Oyo likambo bazo sala na Luanda ni de près ni de loin ezota la yete. Ça c'est Nanga qui déclare ça. Eza Nanga na zolo ba makambwana. Lobi tozaki osolo na analiste moko, analiste wana nde alobi hein. Eloko nanga azo sala, eza lokola azo sala cri d'alarme. Azo belela
Bokanisa ngai. Parce que na ba salon diplomatique, le nom de nanga n'est pas cité. Ba yebi ete. La RDC connaît que le Rwanda n'est pas agressé. Alors, le nom de nanga et tout le reste, la Rouens, Kanyuka, Eric Nkuba, Eyebanite. C'est pas connu là-bas. Ce qui va causer la gérer na Kagame, après qu'on s'il s'en a Kagame, bangonde ba koyeba. Alors, nangambo na bango bazo sa la cri d'alarme. Ngapena zawa, boka ni sela kangai. C'est ce que pensent les analystes indépendants. Kenanga zo sa la, azo bele la. Ndenge yesu a bele la. Boka ni sa ngai. Per, tiki ngai. Yango wana nanga pe azo sa la. Azo ki manduki contre la République. Pese impardonnable. Ba pese zala kakoli mbisama. Me makila oyo etangaki. Ces personnes qui ont perdu la vie à Mugunga, ça on se rappelle encore. Batouana Bakoufaki. Aujourd'hui, le 2 août, pendant qu'on se rappelle de ceux de Kisangani, on se rappelle aussi de ceux-là de Goma, de Kisise, de partout, Batounio Souana Bakoufa. On se rappelle. Parce que ça déye national. Le gouvernement. Bozoué Lokoyo. Nakati a légèreté. À cause de ces victimes, le gouvernement, presque tous les gouvernements, s'est déplacé à Kisangani. La première ministre, parce que le président de la République était empêché, bien que par certaines sources, Makambozo Yokama, peut-être nous ne sommes pas autorisés à dire ça ici, et ça, c'est un secret d'État. Mais la première ministre se trouve actuellement à Kisangani et 16 autres membres de son gouvernement. Cela montre combien de fois il y a la considération. En Swahili, on dit que Buchungu, il y a la douleur dans cette affaire. Et que ces gens qui ont orchestré ça, qui ont occasionné cela, lorsque Bazongi a dit à la ministre, ah non, ça sera craché sur la mémoire de ces gens, et toujours les et qu'on sera craché sur ces gens-là. Et toujours estimé, le gouvernement n'osera jamais que ça l'aide Rwanda. Parce que dans le cycle, il y a impunité. Il y a des gens qui ont été postés pour se retrouver au pays. Il faut aller dans la rébellion. Aux gens qui ont été amnistiés, qui ont été postés, au commis Mokonzi. Et ça va frustrer d'autres personnes. Et si on veut que cela ne continue pas, que les gens qui ont été présentement, ils ont été amnistiés, ils ont été amnistiés. Des nationales, à mémoire de Batouo, ils ont été amnistiés. Et belé bakufa ndekule wa mudimbu et toi sans ki dilamboso to boso na baenyo so balanda ki biso depuis libandeli ya manaka oyo tisuka yango tulobi matondo mingi et on se fixe un nouveau rendez-vous demain pour d'autres actualités.